Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour votre émission sportive. C'est l'heure du foot et au sommaire de ce 32e numéro de la saison, on va parler et décortiquer la liste de Djemal Belmadi. On connaît désormais les 25 joueurs retenus par le coach national pour les deux rencontres face à l'Ouganda et la Tanzanie. Beaucoup de nouveaux joueurs et pas mal de joueurs cadres écartés pour ce stage par Djemal Belmadi. On parlera de la Liga bien évidemment avec le carton du Chebab Riadid Bilouizdad, leader incontesté du championnat, mais aussi de la belle victoire de la GS Kabylie lors du Classico face au Mouloudia d'Alger. Pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau nos deux consultants. Je commencerai par Farid Ait Saada. Farid, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à tous. Double casquette, journaliste et consultant du côté, de l'autre côté donc de la table, l'inamovible Abdennour Kawa. Bonsoir Saïd, bonsoir. Moi j'ai pris un fou rire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous avez mis une belle cravate. Et votre chemise est déboutonnée. Oui, je sais. C'est fait exprès. Non, il fait chaud. Ah, donc, ce que je voulais... Pas ici en tout cas. Il fait frais. Bonsoir à nos amis téléspectateurs. J'espère qu'ils vont passer un bon moment avec nous. Merci Abdennour. Et sans plus tarder, on commence donc avec la première rubrique de l'émission, les trois points de Kawa. Kawa qui c'est bon, qui ferme sa chemise. Donc Abdennour, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Vous en avez pratiquement déjà parlé. Bon, bien évidemment, c'est la liste tant attendue des nouveaux joueurs de l'équipe nationale. Il y en a quand même pas mal. Beaucoup d'anciens n'ont pas été appelés pour ce stage. Bon, j'espère que cette équipe New Look va donner quand même beaucoup de bonnes choses. C'est tout ce qu'on souhaite. L'échéance, c'est pour bientôt, donc j'espère que tous les joueurs qui ont été convoqués seront à la hauteur de la tâche qui les attend, d'une part. D'autre part, c'est un peu le score fleuve du CRB à l'extérieur. Je pense que c'est le plus gros score du championnat depuis que le championnat existe. À l'extérieur, 8-0, bien que ça soit Relizane, qui est une équipe pratiquement relégable. C'est un score qu'il fallait faire. Hein. Donc 8-0, c'est quand même assez conséquent. Et enfin, hier, nous étions ensemble au stade de Omar Hamadi, où on a vu la JSK battre le Mouloudia de 2-0, de très beaux buts. Et ça aurait pu être un score beaucoup plus grave, si ce n'est un peu la bonne forme également, il faut souligner, de Farid Chaal, d'une part. Et donc, alerte au niveau du Mouloudia, ils sont sur trois défaites consécutives. Et bravo pour la JSK qui fait pratiquement un sans-faute depuis quelque temps et qui vise la deuxième place. Je pense qu'ils sont bien partis pour. Très très bien, merci Abdennour. Et on passe à présent à l'équipe nationale après ce jingle. Et justement, donc, l'équipe nationale, je le disais, avec Djemal Belmadi qui a rendu public vendredi après-midi sa liste des 25 joueurs retenus pour les deux matchs, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu au Côte d'Ivoire. Et l'équipe nationale affrontera donc respectivement l'Ouganda et la Tanzanie. On va voir ce sujet sur cette liste des 25 joueurs et on revient. Une liste New Look, celle qu'a rendue publique vendredi le sélectionneur national Djemal Belmadi en vue des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de 2023. Dernière fois, le gardien d'Angers Anthony Mandrea, les défenseurs de Clermont et Boavista, Hakim Zedatka et Yanis Hammesh, le milieu de terrain de Courtrai Abdelkahar Kadri et les attaquants de Nice et de Cluj en Roumanie, Bilal Brahimi et Bilal Omrani.
Enfin, Riyad Ben Ayed de l'Entente de Sétif est le seul joueur évoluant en championnat local. Le coach national a surtout écarté plusieurs éléments habitués à figurer sur les précédentes listes de la sélection, à l'image du portier Alexandre Oukidja, Jamel Ben Amri, Bardet Bounjah, Saïd Ben Rahma, Mehdi Tahrat, Farid Boulaya ou encore Sofiane Ferrouli. Le sociétaire de Manchester City, Riyad Mahrez, a quant à lui déclaré forfait pour cause de blessure, selon un communiqué publié jeudi soir par la FAF. Les Verts ont amené officiellement ce lundi leur stage au centre TIC par un déplacement à Dar es Salaam pour défier la Tanzanie le mercredi 8 juin au Stade National. Donc pas mal de nouveaux joueurs convoqués par le coach national, 7 au total donc pour ce stage du mois de juin. Abdennour, on s'y attendait à cette liste new look, je le disais donc pour ce stage après la désillusion subie lors du mois de mars dernier face au Cameroun, cette non-qualification au mondial. Ouais, de toute façon il faut se projeter sur l'avenir. Hein. Donc l'avenir, bon, ce sont ces 25 joueurs qui ont été convoqués. Pour 7 d'entre eux, c'est la première fois qu'ils sont convoqués au niveau de cette équipe nationale. Donc je pense que le coach a quand même assez réfléchi, puisque c'est une liste qui a tardé. Donc je pense qu'il a fait le choix qu'il faut pour essayer de redynamiser notre équipe nationale et renouer surtout avec les victoires. Hein. Farid El Saada, justement. Vous suivez très très bien ces joueurs, nos professionnels à l'étranger justement. Est-ce que par rapport aux 7 nouveaux appelés par Jamel Belmadi, est-ce que vous pensez que c'est des joueurs qui méritent leur place en sélection? Il y en a certains que je pense qu'ils méritent leur chance en sélection, comme Yanis Hemmech. Comme Zedatka. On en a parlé. Oui, Zedatka, c'est le sélectionneur qui avait remis en cause son niveau par rapport à celui de l'équipe nationale. Mais maintenant, peut-être qu'il a changé d'avis. Il n'avait pas son niveau. Hein. Il ne parlait pas de son niveau. Il avait des lacunes. Non, des lacunes, mais aussi, surtout, il parlait d'un souci avec l'agent du joueur. Il avait insinué ça en conférence. En tout cas, maintenant, Zedatka a pris sa carrière, a pris une autre dimension, puisqu'il sera. Il est convoité par des clubs de. Non, mais il est Lillois. Il a signé à Lille. Donc il jouera à Lille la saison prochaine. Donc ça reste. Ça confirme que c'est un joueur de talent. Quoi. Voilà, donc il va jouer l'Europa League. Et c'est quelqu'un, voilà, à son poste, il y a de la concurrence. Il y a Ben Ayada, il y a Atalata qui n'est pas convoqué, peut-être à cause de ses blessures à répétition. Il y a un joueur dont la sélection m'a étonné, c'est Bilal Omrani, parce que c'est un joueur dont on parle de l'éventualité de sa sélection depuis 9 ans, depuis 2013. Exact. Et je me rappelle depuis 9 ans, chaque fois on dit Bilal Omrani, pourquoi il joue à Marseille, etc. Et surtout il y a 3 ans, en 2019, je me rappelle avec son club de Cluj, justement, il faisait un début de saison assez remarquable, notamment en Ligue des Champions, il y avait les tours, les barrages pour la Ligue des Champions européenne où il avait enchaîné but sur but, buteur aussi en championnat. À ce moment-là, on s'attendait peut-être à un geste de la part du coach national, mais celui-ci est arrivé 3 ans plus tard. Mais moi, je pose juste une question. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Je le suivais quand il était à Marseille, mais à Cluj, c'est difficile de suivre le championnat roumain. Mais est-ce que à 29 ans, il n'est pas très jeune, est-ce qu'à 29 ans, il a un potentiel supérieur au potentiel des autres joueurs à son poste et plus jeune? Voilà, c'est la question que j'ai. Une information importante concernant Omrani, justement, ce joueur n'était pas dans la liste élargie. Au départ, il a été donc appelé quasiment à la dernière minute pour suppléer sans doute peut-être quelques défections, on en parlera tout à l'heure, celle notamment de Riyad Mahrez. C'est ce qui explique peut-être le fait qu'il n'était peut-être pas dans la liste au départ du coach Jamel Belmadi. Mais ce n'est pas tout à fait le même poste. Lui, il joue soit avant-centre, soit ce qu'on appelle 9,5. Il peut jouer sur les côtés. Tout le monde maintenant est appelé à jouer sur le côté. Mais lui, c'est surtout avant de pointe ou bien milieu derrière l'attaquant de pointe. Mais on verra, peut-être c'est une bonne surprise. Personne ne connaissait aussi Ramiz Zalouri. Mais après, les gens ont découvert que c'est une belle surprise, c'est quelqu'un qui a un potentiel pour... Moi,
J'ai justifié par rapport à son âge. Il a 29 ans maintenant. Il n'est plus tout à fait jeune. Très très bien. Concernant notre joueur formé en Algérie, notamment du côté du Parado Athletic Club, Abdelkahar Kadri, justement, qui avait brillé avec l'équipe nationale APRIM, aux côtés notamment d'un Adem Zorgan. Et ce dernier donc retrouvera donc son ami, hein, son compère au milieu lorsqu'il jouait notamment du côté du Paradou. C'est mérité, hein, pour bien ce sûr, joueur, pour sa première saison pardon, à Courtrai, il a donné satisfaction. Non seulement il a donné satisfaction, mais c'est un joueur d'avenir. Moi je pense que pour revenir un peu à tous ces joueurs qui ont été convoqués, connaissant bien Jambal Blumadi, il ne convoque pas pour faire plaisir aux joueurs. Moi, je pense que cette liste a été arrêtée après une réflexion très, 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 très mûre. Et bon, il y a deux échéances qui nous attendent. Est-ce qu'il va essayer de toute façon, sur les joueurs convoqués, il y en a pratiquement 8 titulaires qui sont encore présents. Hein. Oui, c'est vrai que l'ossature, en tout cas, est liée. Est-ce qu'il va leur donner leur chance? Bon, d'autant plus que c'est quand on joue la Tanzanie, quand on joue l'Ouganda, c'est bon, sans baisser d'estime concernant ces pays, moi je pense que ces joueurs-là vont peut-être avoir la chance de pouvoir jouer et de pouvoir prouver que effectivement, s'ils sont en équipe nationale, ce n'est pas le fait du hasard. Mais ce qui est étonnant, bon, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un nouveau départ, avec une nouvelle étape. Maintenant, c'est presque un nouveau cycle olympique qui va commencer. Ah oui, c'est un nouveau cycle, puisqu'on vise notamment la qualification à la Coupe du Monde 2026. Voilà. Et ça commence dès maintenant. Et puisque les qualifications pour la Coupe d'Afrique, sur le papier, ne sont pas difficiles, parce que le groupe est à la portée. Moi, je m'attendais à plus de nouveautés, davantage de jeunes qui sont lancés. Mais là, je remarque que c'est pas risqué, justement, c'est assez difficile. Hein. Et, connaissant un peu, je suis passé quand même pas mal d'années au niveau de l'équipe nationale, c'est vraiment difficile de pouvoir ramener d'autres nouveaux joueurs, essayer d'avoir au moins l'ossature et au fur et à mesure réaménager. Sachant qu'après la désillusion du mois de mars dernier, le moral n'est pas au beau fixe, hein, du côté de la sélection nationale. Le fait d'affronter, même sur le papier, c'est vrai que l'Ouganda, ce n'est pas un monstre, hein, en tout cas, logiquement, on doit battre cette équipe, notamment à domicile. Mais avec ce qui s'est passé au mois de mars, ce n'est pas facile pour Jamal Belmadi et les joueurs aussi d'affronter le public de nouveau après ce qui s'est passé en mars. Je reviens un peu sur ce qu'a dit Farid. C'est vrai que maintenant, les échéances, d'abord la qualification à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, et surtout la qualification en Coupe du Monde, bien que la Coupe du Monde 2026, il y a une nouveauté, c'est qu'il y aura 9 pays. 9 pays. Donc on aura certainement beaucoup plus de chances d'y participer. Mais là, donc, comme je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette équipe qui a été convoquée n'est pas le fait du hasard. Belmadi, il l'a toujours dit d'ailleurs, quand il convoque un joueur, c'est qu'il a tout son parcours, et il sait si jamais il peut apporter un plus à l'équipe nationale. Donc si jamais ces joueurs-là ont été convoqués, maintenant, on retrouve. Moi ça fait du bien de retrouver Zorgan, de retrouver Amora, de retrouver quand même pas mal de jeunes. Maintenant, il alterne entre la jeunesse et l'expérience. Vous parlez d'expérience et de jeunesse, justement, et de joueurs à fort potentiel aussi. Quand on prend l'exemple d'un Bilal Brahimi qui évoluait à Angers, transféré l'hiver dernier du côté de l'OGC Nice, c'est un joueur peut-être à fort potentiel, mais qui n'a pas encore réellement prouvé au plus haut niveau. Est-ce que c'est une manière aussi de Jamal Belmadi de lui offrir cette possibilité de porter le maillot national, histoire de l'imprégner un petit peu de l'ambiance de l'équipe nationale, puisqu'au plus haut niveau, il n'a pas encore réellement prouvé qu'il avait les qualités pour jouer en équipe nationale, en tout cas pour l'instant. Mais de toutes les façons, ça reste un talent, évidemment. Oui, il a fait son choix. Si jamais il fait partie de l'équipe nationale, c'est que certainement, non seulement il doit avoir des qualités, ça c'est certain, c'est vrai qu'il n'a pas encore l'expérience, qu'il n'a pas encore peut-être prouvé à haut niveau, mais il faut bien un début. Moi, je pense que si jamais il aura la chance de jouer, il va prouver qu'il mérite sa convocation en équipe nationale. Cela dit, puisqu'il joue à l'OGC Nice, oui. Là où
active, trois joueurs algériens, au moins, ou d'anciens internationaux, comme il y a Andy Delors, il y a Hichem Boudiaoui, il y a Attal, Youssef Attal. Donc, il est du niveau de ces joueurs. Ces joueurs sont en équipe nationale. Mm-hmm. Et en plus, l'histoire du football algérien a prouvé qu'il y a beaucoup de joueurs algériens qui percent en sélection tout en étant moyens dans leur club en Europe. Il y a des exemples, la profusion sur ce point. Justement, concernant aussi les nouveautés, un joueur du championnat national est retenu par le coach Jamal Belmadi. Ça faisait longtemps que cela ne s'était plus arrivé, c'était pas arrivé plutôt du côté de l'équipe nationale, avec Riyad Ben Ayed qui a été retenu par le coach national pour ce stage. Il évolue cette saison du côté de l'Entente de Sétif, lui qui a été formé du côté du Paradoula aussi. Est-ce que c'est mérité pour Ben Ayed? Sur la fin de saison, il réalise de bons matchs en tout cas avec l'Entente, mais sur l'ensemble de la saison, est-ce que selon vous c'est mérité pour Ben Ayed? Moi, je pense que si jamais... c'est un joueur local. C'est déjà une bonne chose, comme vous l'avez dit. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a encore de la possibilité, il y a encore de la place pour certains joueurs de notre championnat. On l'a vu, par exemple, hier, au niveau de la JSK, on a vu quand même deux, trois bons joueurs. D'ailleurs, il y avait Majid Bougada et... Exact, qui était présent. Qui était présent. Bon, on n'a pas eu le temps de trop discuter. Donc, si jamais ils sont déjà convoqués en équipe des A', ils auront certainement la chance de pouvoir par la suite accéder en sélection. D'autant plus qu'actuellement, comme on l'a dit, il y a une révolution, même petite qu'elle soit, il y a quand même une révolution. On essaie de rapporter du 109 au niveau de notre équipe nationale. Et je pense que c'est de bonnes prémices. Bon, Ben Ayed commence et il y aura certainement d'autres. On va parler maintenant des joueurs écartés pour ce stage. Et notamment, il y a le gardien Alexandre Oukidja. C'est vrai que cette saison, Alexandre Oukidja ne s'est pas imposé réellement du côté du FC Metz. Mais on retrouve par exemple plutôt... On ne va plus retrouver pour ce stage, en tout cas, Jamal Belhamri, Bardet Bounjer et notamment Mehdi Tarat, les joueurs qui évoluent notamment au Qatar, puisque le championnat a été est à l'arrêt déjà depuis le mois d'avril. Plus d'un mois et demi. Voilà, donc ça, c'est un peu compréhensible par rapport à ces mises à l'écart. Sofiane Ferrouli, là aussi, très souvent blessé cette saison. Est-ce qu'on peut dire que Sofiane Ferrouli, ça va être très très difficile pour lui de revenir en sélection compte tenu de sa forme physique? Ça dépend de son avenir. Là, il ne va pas rester à Galatasaray. Son avenir étant pointillé, on ne le sait pas. Bon, vous savez, moi je ne dis pas que c'est une mise à l'écart. C'est des joueurs qui ne sont pas convoqués. Parce qu'il faut arrêter avec cette mise à l'écart. Ce n'est pas un joueur qui n'est pas convoqué, c'est une mise à l'écart. C'est des termes journalistiques. Il le sait très bien. C'est lui-même, très souvent, qui... Bon, la connotation est un peu... Parce que là, par rapport à ce stade, si on veut essayer de nouveaux joueurs, si on veut lancer des jeunes, il faut bien que d'autres laissent leur place. Là, je pense que c'est une occasion. Parce que deux matchs, a priori, assez faciles à la portée. Mais Ferry, on le disait. Mais ça ne veut pas dire que c'est une... Oui, on dit. Mise à l'écart définitive. On le répète, c'est une mise à l'écart par rapport à ce stage-là. Ils sont écartés de ce stage du mois de juin. Et justement, vous avez anticipé ma question, puisque après l'élimination et la non-qualification à la Coupe du Monde, on disait que... Désormais qu'il n'y a plus cet objectif à court terme qui est la Coupe du Monde, qu'il fallait justement penser à la Coupe du Monde 2026 dans 4 ans, des joueurs comme Ferrouli et Mbouri ou même d'autres devraient laisser leur place pour quelque part, justement, on se retrouve un peu dans la même situation qu'on s'est retrouvé après la Coupe du Monde 2010. 2010, effectivement. Donc, 2010... On travaillait un nouveau cycle, justement. Donc, il y a un nouveau cycle qui est arrivé, il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé par la suite. On est arrivé à nous qualifier 4 ans après en Coupe du Monde, avec beaucoup de nouveaux joueurs également, il ne faut pas l'oublier. Ceux qui avaient participé en 2010, il y en avait 4 ou 5. Vajdan Lozic avait fait le tri. Il avait 2011. Bon, il y a eu de nouveaux joueurs qui avaient été contactés, qui ont opté également pour l'Algérie, à défaut d'autres pays. Et ça a donné quand même une équipe assez performante. On avait fait une très bonne Coupe du Monde. Et puis ça a continué. Il y a eu un passage à vide qui a duré quand même pratiquement 4 ans. Et ce sont les mêmes joueurs. Je vais reformuler ma phrase. Oui.
Je vais reformuler ma phrase. À présent, on parle des joueurs qui dépassent les 32, 33 ans en sélection. Et pas des moindres. Dans cette liste. Il y a 4 trentenaires. Oui, et pas des moindres. Hein. On parle de Slimani, Slimani, Belaïli, Mandi, Est-ce que c'est des joueurs, et d'autres qui n'ont pas été retenus, hein. On peut évoquer Bounjer et Belamri et d'autres. Je vous parle de la liste. Oui, moi, je vais un petit peu parler de la Coupe du Monde 2026. En perspective, exact, voilà. Cherchez le mot. Abdelnour, est-ce que le coach national Jamel Belmadi, sachant qu'il y a il est conscient de tout ça. Cet objectif de la Coupe d'Afrique 2023, qui reste un objectif assez important pour lui. Bien sûr. Donc, dans un an, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il doit aussi, tout en visant la Coupe du Monde 2026, travailler avec les moyens du bord, c'est-à-dire toujours compter sur ses trentenaires et miser sur eux pour la Coupe d'Afrique 2023. 2023, c'est demain. C'est demain. Donc, effectivement, essayer de garder un maximum de joueurs pour peu qu'ils soient performants. On peut avoir 34 ans, on peut avoir 35 ans, on l'a vu d'ailleurs dans pas mal de clubs en Europe, il n'y a peut-être pas de comparaison à faire. Par exemple, Vahid Halilhodžić. Oui. Vous avez parlé de lui, Halilhodžić, et vous étiez avec lui en 2011. Il y avait des joueurs qui étaient performants à ce moment-là. Je peux citer les Nedir Belhadj ou Karim Ziani. Bon, Matamor, par la suite, avait mis en parenthèse sa carrière internationale et d'autres. Et je me rappelle que Vahid Halilhodžić, à ce moment-là, il se focalisait sur la Coupe du Monde 2014. Et il disait que même si ces joueurs continuaient à briller avec leur club où ils étaient, entre guillemets, était performant, mais d'ici 3 ans, ils prendront 3 ans au niveau de l'âge et ça serait compliqué de compter sur eux. Donc, ils les avaient écartés à ce moment-là pour relancer une nouvelle génération. Vous étiez présent en Afrique du Sud. Donc, ce qui s'était passé en Afrique du Sud, on avait fait une très mauvaise Coupe d'Afrique. Mais on n'a pas été sorti au premier tour. Voilà, on est sorti au premier tour, tout comme cette année-là, d'ailleurs. Donc, c'est un peu. Moi, je fais un peu. Vous savez, il faut toujours voir un peu l'historique de cette équipe nationale. C'est à peu près les mêmes moments que nous avons vécu en 2012-2013. Et une année après, on se retrouve en Coupe du Monde et on fait une Coupe du Monde formidable. D'abord, on s'est qualifié au 8e de finale. Et là, ça a été une performance. C'est vrai que maintenant, Belmadi, quand il est arrivé, il a pris cette équipe nationale, il ne faut pas l'oublier également, en 2018, c'est une équipe qui était malade. Donc il a réussi à redynamiser avec le même groupe. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trentenaires, mais pour 2023, tant que ces trentenaires-là peuvent donner un maximum pour pousser encore cette équipe nationale vers l'avant, je pense qu'il va les utiliser. Par contre, pour 2016, ça c'est une autre paire de manches. Donc travailler 2026. Sur 2026, donc c'est travailler en parallèle. Objectif numéro 1, c'est la Coupe d'Afrique 2023. Et tout en pensant à la Coupe d'Afrique 2026, Raïs Mboulhi, on va parler des gardiens. Raïs Mboulhi, toujours présent, on parlait à un moment donné peut-être de prendre sa retraite internationale. Donc, pour l'instant, donc, il est toujours présent dans cette liste, à pratiquement 36 ans. Voilà. Vous, l'ancien gardien, vous pensez que Mboulhi a encore années Je vous donne un petit exemple. Hier, on a vu JSK Mouloudia, on a vu un Doha d'un côté, un Chahal de l'autre. Il y a plus de 10 ans de différence entre ces deux gardiens. On voyait un Doha assez jeune également. Hein. Autant Chahal a fait des arrêts magnifiques, autant Doha également. Donc là, surtout Raïs. Hein. Non, pas surtout Raïs Mboulhi. Par rapport à Raïs Mboulhi sur ses dernières prestations, est-ce que vous pensez que Raïs Mboulhi, là ça, c'est un choix, c'est un choix que seul lui peut prendre. Nous on souhaiterait encore le voir dans les buts, parce que qu'on le veuille ou pas, bon, peut-être, il ne faut pas oublier que les derniers matchs, c'est tout le monde qui est passé à côté, pas que le gardien de but. Donc, sur sa sortie un petit peu... Voilà, bon, qui aurait pu, mais pour ne pas revenir sur ça, je pense que Raïs, tant qu'il est performant, parce que lui, moi peut-être que je le connais, j'ai quand même entraîné plus de 3 ans,
D'abord, est-ce que c'est le moment de lancer dans le pain certains nouveaux quartiers? C'est aussi le moment de préparer l'avenir. Ce n'est pas après la Coupe d'Afrique Zerba, 2023. Un Zerba qui réalise une saison extraordinaire du côté de l'Arabie Saoudite. Quel âge? Il a plus de 31 ans. Oui, oui, il a 30 ans. 31 ans. 31 ans. Il y a le jeune, le nouveau gardien, Anthony Mandrea, qui a 25 ans. Oui. Justement, mais, à mon humble avis, je me pose une question. Je vous le dis avant de vous donner la parole. Est-ce que ce n'est pas le moment, aujourd'hui, du moment qu'on affronte des sélections plutôt assez, on va le dire, sur papier en tout cas, qui sont très abordables, c'est le moment de lancer dans le bain un nouveau gardien, histoire de préparer l'avenir. Puisque, après 2023, il faudra, je pense, en tout cas, avoir un nouveau gardien en sélection. Et depuis durant les 12 dernières années, ça a été compliqué pour les autres gardiens. Pour tous les autres gardiens, absolument. Il était indétrônable presque. Et même s'il ne jouait pas, il n'avait pas de club. Ça a été un sujet de discorde. C'était un sujet de discorde énorme, mais il avait toujours répondu présent, puis il a toujours été à la hauteur de la tâche qui lui avait été confiée dans les buts. Donc, selon vous, il faudra toujours compter sur lui. Non, je ne dis pas qu'il faut compter. Je dis tant qu'il est performant. Tant qu'il est performant. Pour ce qui est de la relève, maintenant, la relève, il y a deux matchs, nous allons jouer deux matchs. Belmadi, si jamais il a appelé ce jeune gardien de but, là, le gardien d'Angers, je pense qu'il a vu en lui des qualités, surtout un gardien de but. Aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a vu hier en finale de coupe d'Europe, les arrêts qu'avait fait Thibaut Courtois, il a fait 9 arrêts déterminants. C'est un record. Hein. C'est un record au monde. Hein. Mm-hmm. Le seul qu'elle avait fait, c'était 4. C'était avec Buffon en Coupe d'Europe 2002, si vous vous en souvenez, contre la France, c'est ça ? En finale. En finale. Donc, un gardien de but, tant qu'il est performant, tant que... D'abord, c'est 50% aujourd'hui de l'équipe, on le dit. Mm-hmm. Ce n'est pas le fait du hasard. Hein. Quand on a un bon... On ne peut pas avoir une très, très grande équipe sans avoir un très grand gardien. Vous ne répondez pas à ma question. Non, maintenant il est temps, peut-être. Vous dites s'il est performant. Moi, je vous pose une autre question. Je vous ai dit, est-ce qu'il est temps aujourd'hui pour notre sélection de préparer justement la relève au niveau de ce poste de gardien de but? Et si on le prépare, pardon Abdennour, c'est le lancer dans le bain dès à présent, histoire de pouvoir compter sur ce gardien lors de la CAN 2023. Et là, on va écouter. Le poste de gardien de but est un poste spécifique. Mmh. Okay. On voit que dans la majorité des sélections dans le monde et à travers l'histoire, les meilleurs gardiens, c'est-à-dire ils arrivent à l'apogée de leur talent après avoir dépassé 30 ans. On se rappelle de Yann Brunner, un gardien du but de l'Irlande qui a joué à 40 ans. On se rappelle de Peter Shilton qui joue avec Dinosaur. Issam El Hadri qui désespérait de jouer en Coupe du Monde. Issam El Hadri a privé Chnaoui en tenant sa place. Il a joué un seul match. Qui n'avait aucune valeur contre l'Arabie Saoudite, il a arrêté un pénalty. Mais Chennaoui. L'Égypte était déjà éliminée. Oui, mais Chennaoui, par exemple, attendait sa chance en sélection depuis des années. Et du moment que Issam El Hadri était en poste. En Coupe d'Afrique, on a vu un autre gardien de but égyptien. Oui, Gapsi. Et il avait fait une très bonne. Il avait sauvé l'Égypte de pas mal de situations. Mais est-ce que Mboulhi, ces derniers matchs. Qu'est-ce qu'on a revu en Égypte? On a revu. Mais Abdennour. Mais là, on tombe dans un débat. À chaque poste, pas sur le gardien de but, il y a toujours un joueur qui éclipse tout le monde. Mm-hmm. On se rappelle que dans les années 80, il y avait de très bons, d'excellents numéros 10 en Algérie. Adjissa, Yahi, Maïdi. De Thiers, Adjissa de City, Ben Boutelja, DNC, et tout. Mais il y avait l'Akhdar Belloumi qui a éclipsé tout le monde. Même Assad. Salah Assad qui jouait comme numéro 10 sur ses coups bas, il a dû être reconverti en ligne gauche pour qu'il joue. Parce que Belloumi éclipsait tout le monde. Moi, je comprends ce que veut dire Saïd. C'est sûr qu'il est temps maintenant de penser au futur de l'équipe nationale. On ne voit pas aujourd'hui Mboulhi être présent en 2026. Ça serait une performance extraordinaire. À 40 ans, à 40 ans. Ben bon, mais c'est vrai qu'il est temps maintenant de... Mais comme Farid l'a dit, un poste de gardien de but, c'est un poste spécifique. Et c'est un poste qui est très délicat. D'ailleurs, Mboulhi, quand il a pris la place de Chaouchi lors de la Coupe du Monde... Il a été indétrônable jusqu'à maintenant. Suffit qu'on lui donne sa chance lors de la Coupe du Monde. Pourtant, il y a eu de très bons gardiens. Et puis, pourtant, il y a eu de très bons gardiens, à l'image de Zemamouche, qui, à un moment donné, était formidable.
Azdin Doura qui était également pas Fawzi, mal. Chouch, Chaouchi, Chaouchi et, également. Et d'autres gardiens. Moi, je voudrais terminer avec juste une phrase. Il ne faut pas oublier qu'avant la Coupe du Monde 2026, la Coupe d'Afrique 2023 est un objectif intermédiaire déterminant. Parce que l'Algérie est en quête de réhabilitation. Après, la CAN 2025 aussi. Voilà, non, mais 2023, il y aura deux CAN avant cette Coupe du Monde. Il faut effacer 2022, qui est la Coupe de 2020. Il faut l'effacer en 2023. D'où peut-être le souci du sélectionneur de garder une ossature plus ou moins solide en perspective de cette Coupe. On finit ce sujet concernant donc ce débat concernant l'équipe nationale avec l'absence de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez absent, bon, selon la FAF, hein, un communiqué de la FAF parlait de l'impossibilité du capitaine des Verts de se rendre à Alger justement pour ces deux matchs. C'est une absence qui va peser, selon vous, sans entrer dans le débat et la polémique. Vous pensez que ça peut... Non, il fait partie des joueurs qui n'ont pas été convoqués, bon, pour X raisons. Hein, on parle aujourd'hui de blessures, mais il ne faut pas oublier que Riyad a quand même joué plus de 50 matchs. Hein. Donc c'est énorme. Pour l'instant, il n'a pas été convoqué, à l'image de beaucoup d'autres joueurs, d'ailleurs. Hein. Mais je pense que Riyad a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'équipe nationale. Très très bien, on passe à présent à la Ligue 1 après ce jingle. Et on commence donc cette Ligue 1 et cette 32e journée qui s'est disputée donc ce week-end et qui se poursuit, puisqu'il y a deux matchs qui se jouent aujourd'hui avec le Wydad de Tlemcen qui reçoit l'ASO Chelef. Le match en principe a débuté depuis quelques minutes et en soirée on a le choc, celui qui va opposer l'Entente de Sétif à la Jeunesse Sportive de la Saoura. Mais on commence par cette éclatante victoire, large score obtenu à l'extérieur par le CRB Belouizdad qui conforte de plus en plus sa place de leader et qui se rapproche notamment d'un troisième titre de suite. On va suivre son match, le Chebeb face au RC Olizan, avec Fadah Abad. Un festival de bœufs pour le leader Belouizdadi lors de son déplacement à Rolizan pour affronter le RCR qui a déjà la tête en D2. Dès la sixième minute, Khaled Bousliou ouvre la marque pour les Belouizdadi. Quelques instants plus tard, Merzougi double la mise d'une jolie tête. Le keeper Belouizdadi Moussaoui était carrément au repos. Sa défense a annihilé toutes les timides offensives des attaquants rolizanais. Bousliou rajoute un troisième but à la 30e minute de jeu après un bel échange avec Merzougi. Les attaques des Rouges et Blancs continuent et Merzougi, à la 40e minute, plante le quatrième but pour son équipe et le deuxième pour lui après avoir éliminé le gardien. Dès l'entame de la deuxième période et à la 52e minute de jeu, Bourdim envoie un missile que le gardien relisanais accompagne uniquement des yeux, signant ainsi le cinquième but du CRB. Les nombreux fans Belouizdadi présents au stade ont créé une belle ambiance, poussant ainsi leurs joueurs à accentuer leur domination territoriale et à rajouter un sixième but par l'entremise du défenseur Bouchard d'un joli heading. Quelques timides incursions des locaux sans aucune efficacité. Belkhaiter, le latéral droit, est venu enfoncer le clou par deux fois. D'abord à la 79e minute de jeu d'un coup franc magistral des 20 mètres que Belmokhtar, le gardien relisanais, accompagne dans ses filets. Puis à la 84e minute, inscrivant ainsi le 8e but pour le leader Belouizdadi, qui file vraisemblablement tout droit vers un troisième sacre consécutif, une première dans le championnat d'Algérie. 8-0, messieurs, cette victoire du Chebeb Riyadit Belouizdad. On s'attendait à une victoire à Farid Ait Saada, mais peut-être pas avec un score aussi fleuve. Oui, c'est un match en roue libre. On ne sait pas le RC Rélizan, est-ce qu'il est avec son équipe B ou C ou D, parce que chaque fois ça change. Et pourtant, l'équipe de Rélizan avait battu une semaine avant le NED à l'extérieur et jouait assez libéré. Ces joueurs jouaient assez libérés, mais au final, ils se sont...
Oui, bon, bah, le Serbe est pressé d'étreiner son titre de champion, et c'est compréhensible. 8-0, je pense, comme l'a dit Abdel Nour, c'est la première fois dans l'histoire du football géant qu'il y ait une victoire aussi large à l'extérieur. Il y a eu des victoires plus larges. Il y a eu 8-2, Mouloudia, Relizan. Non, à domicile. Oui, à domicile. Il y a eu 8-1, c'est-à-dire Relizan, en deux matchs, a pris 16 buts. Hein. Et face à l'Entente, la semaine, il y a deux semaines, 7 buts à 0. Oui, ils sont en vacances, ils sont en D2, donc, oui. Donc voilà. Ils vont finir le championnat avec la plus grosse. Mais chapeau au CRB qui a respecté l'adversaire, parce qu'il a joué sérieusement, voilà, et qui veut prouver qu'il a la valeur, qu'il a le statut de champion d'Algérie. Très très bien, donc le CRB qui. Alors en cas de victoire. Il y aura un match cette semaine, ouais, un match en retard face en cas de victoire, l'US Biskra. Il sera à l'US Biskra. Il sera automatiquement champion d'Algérie. Est-ce que vous êtes sûr? Bien sûr, oui. Statistiquement, la GSK ne pourra plus le rattraper. Pas que la GSK, il y a l'équipe de l'Entente de City avec 27 oui, matchs, a encore 3 matchs de retard par rapport au CRB. L'Entente, même si elle gagne les 5 matchs qu'elle a en retard, elle sera à 58 points. Très très bien, donc on pourra assister donc, au sacre du Chabab dès cette semaine, donc avec 6 victoires face à l'équipe du US Biskra, sachant que cette semaine on aura droit à 3 matchs de mise à jour, puisque le CRB, je le disais, recevra l'US Biskra, le CS Constantine recevra l'Entente de Sétif et le MC Oran jouera face à la jeunesse sportive de la Saoura. On passe à l'autre match de cette journée, l'affiche aussi, qui a mis aux prises le Mouloudia Club d'Alger à la jeunesse sportive de Kabylie. On va suivre le résumé de Riyad Belkhadim qui était au commentaire en compagnie d'Ahmed Laribi. L'équipe des Mouloudia, et c'est parti hein, au moment où vous parlez, c'est parti pour ce classico. Il fait chaud hein, cet après-midi, ça va commencer à se rafraîchir en début de soirée. On est juste au bord de la Méditerranée, la vue est magnifique. Ils jouent dans le camp du Mouloudia. En tout cas, ils ont pris le jeu à leur compte. Ils font le jeu, pas de rang d'observation. Attention, peut-être il va essayer de s'ouvrir une fenêtre de tir. Celui qui avait manqué la frappe tout à l'heure, Harag, il va décaler de l'autre côté. On va la mettre dans la boîte, il rentre dans la surface de la barre, c'est bien fait, passe mon jambe. Et la frappe cette fois-ci, oh la parade de Chahal. Elle était cadrée cette frappe, on va la revoir dans quelques instants. Et il est parti la chercher, superbe parade, hein. On va la revoir. Regardez, prépare. C'est Bokhanchouj, j'avais dit Harag. Bokhanchouj qui enveloppe bien. Avec son pied droit intérieur. Et que c'est bien de la part de Chahal, qui est parti avec tout son physique. Pas assez loin du gardien, mais elle était vraiment bien frappée, elle était cadrée cette frappe. Ouais, c'est une occasion en triangle, mais c'est bien, ça prouve que dans l'esprit de la JSK... En tout cas, pour attention à ce compte, ça va partir très vite de l'autre côté. Pour Gettel, qui lève la tête, il a une possibilité, mais il préfère la frappe. Oh, le but extraordinaire! Quelle frappe! Et l'ouverture du score! Minute de jeu, il a pris ses responsabilités, il a levé la tête, il a vu le gardien, je vous ai dit qu'il se sentait pas bien, et il l'a mis côté opposé, la JSK qui mène à Omar Hamadi, 1-0. Ouais, tout à fait, quel but, c'est un but d'Antonouji. Riyad. Oui, Fatah. Je te confirme, Chahal est en train de boiter carrément. Ah oui, mais oui, j'avais besoin de... Attention à cette frappe, et il s'est couché sans trop de problèmes, Doha, et vous allez tout de suite nous donner le diagnostic. C'est le joueur technique par excellence. Ballon. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est Mouaki. Mouaki qui va décaler. Attention, il va tenter la frappe. Non, il décale de l'autre côté. Voilà. Voilà les joueurs qui savent où est-ce qu'ils doivent se placer. Sans regarder, il a mis sur le côté droit et avec quelqu'un dans le couloir. Ils se comprennent, les yeux fermés. Voilà, ils se comprennent. Attention à cette frappe. Oh, la parade de Chahal, encore une fois, qui montre sa classe. Encore une fois, récupération. Encore une fois, de Mansour Ali. Je vous l'ai dit, tous les ballons passent par ce joueur. Oh, la talonnade, c'est bien fait. Elle était signée Nezla. Décalage. Peut-être tenter la frappe. Il va l'envelopper. Oh, l'arrêt. Superbe. La frappe était magnifique. La parade est extraordinaire de Chahal. Quelle action. Ouais. Quelle action des deux joueurs, Ahmed. Tout à fait. C'est une action de très, très haut niveau. Entre Harag dans sa dernière passe sous forme de tir. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait sortir ce Chahal. Très, très bon cette saison. J'ai pas vu
du tout d'Oura mise à contribution. Aucune frappe cadrée du Mouloudia. Rendez-vous compte. Et là voilà, je pense la première, est-ce qu'elle était cadrée? Non. Oui, elle était cadrée. Elle était cadrée, il l'a touché. Il suffisait d'en parler. Ça, c'est bien ce qu'a tenté Toki, là on le voit. Il part en conduite de balle sans prendre l'information, sans regarder Doura. Dans son élan, il frappe du côté du pied gauche avec Xavier. Oh la main. Voilà, il va de droite à gauche dans sa ligne. Est-ce que ça va être un contre-pied? Frappe en force, une panenka. Doura Frioui, meilleur buteur du championnat pour l'instant. Frioui qui va croiser certainement. Et Doura qui l'arrête. Ce pénalty, Frioui n'est décidément pas dans le coup aujourd'hui. Et le Mouloudia qui a eu une occasion de revenir dans la partie. Et Frioui qui va aller la donner. La donner carrément. Ouais, c'est une passe très très molle. C'est pas comme ça qu'on marque des pénaltys. Et faire un contrôle orienté de la poitrine dans le sens du but, il n'a pas réussi. Avec Nezla qui tente la frappe. Oh, le but extraordinaire de Nezla. Quel but! Il se retourne, il regarde le gardien et il la place en pleine lucarne. Nezla qui fait le break. La GSK qui mène 2-0 alors qu'il reste que 5 minutes à jouer. Oui, tout à fait. On avait prédit parce que les joueurs de la GSK sont vraiment libérés, motivés, déterminés. Ils sont très lucides dans le jeu. Et puis on a senti que le premier but a été marqué sur frappe de balle par Gittel. Deuxième but par Nezla qui est rentré à la place de Ouattara. Je vous avais dit, Riyad, que Nezla est aussi bon que Ouattara. Il marque un but d'anthologie, le même que celui marqué par Gittel. Et que c'est bien. Là, avec toute la parade de Ce chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre! Un but d'anthologie. Il était, en déséquilibre et il a réussi à marquer un but qui va libérer tout le monde. Médiane, on joue bientôt la 93e minute fatidique, c'est-à-dire la fin de ce match. Et on va certainement faire égrener ces secondes. Et c'est terminé! Victoire de la jeunesse sportive de Kabylie. 2-0 ici sur la pelouse du Mouloudia d'Alger. À Omar Hamadi, victoire 2-0. Les buts sont signés Gettel en première période à la 24e. Superbe match auquel on a assisté hier avec cette victoire de la GS Kabylie. Victoire logique, on le disait déjà hier sur le plateau, d'après-match notamment. Félid Aït Saada, la GS Kabylie, cette saison quasiment intraitable à l'extérieur et l'a confirmé hier avec cette belle victoire à Bollorin. Ben c'est ça, c'est le paradoxe de la GSK, intraitable à l'extérieur et fragile à domicile. Si on comptabilise tous les points perdus par la GSK au stade du 1er novembre, eh ben si elle avait concrétisé ses matchs par des victoires, elle serait devant le CRB au classement. C'est ça le paradoxe. Mmh. Est-ce que les joueurs ont peur de la pression du public? Est-ce qu'ils sont habitués au huis clos du confinement où ils se sentent plus à l'aise? On ne sait pas. Est-ce qu'ils aiment jouer dans une configuration où c'est l'équipe adverse qui fait le jeu? Donc le jeu est ouvert. Mais toujours est-il que la JSK, là, les supporters, j'ai discuté avec quelques supporters ce matin, et ben, ils ont plus peur du match prochain contre CSK à domicile que du match d'hier parce qu'ils savaient qu'hier la GSK avait ses chances. Quant au Mouloudia d'Alger, alors moi ce qui m'a surpris, j'ai vu en seconde mi-temps des joueurs volontaires du Mouloudia qui ont la grinta, qui essayaient. Mais c'est comme, c'est pas moi comment expliquer ça, c'est son schéma de jeu. Ils voulaient faire quelque chose, mais ils étaient perdus sur le terrain. C'était au petit bonheur la chance, ils essayaient, ils s'entraient. Donc là, vous parlez. Mais il n'y avait pas de schéma clair. Contrairement à la GSK, il y avait un schéma de jeu. Là, vous dites qu'il y avait une faillite tactique du côté du Mouloudia d'Alger. Oui, c'est pas une faillite. Il n'y avait pas de tactique, il n'y avait pas clair. Non, il n'y avait pas. Une tactique, c'est quoi? C'est un placement clair, des enchaînements, des combinaisons, un bloc qui circule et tout. Mais on n'a pas vu tout ça. On a vu en deuxième mi-temps un sursaut d'orgueil des joueurs du Mouloudia. Voilà, ils voulaient prouver qu'ils étaient là, qu'ils ont fait une belle saison, qu'ils peuvent tenir devant une équipe comme la JSK, mais ils étaient perdus, c'était brouillon. Ils avaient la volonté, mais le jeu était brouillant. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, Valéry Deïta? Non, concernant l'organisation de jeu, c'est pas le problème du Mouloudia. Hein. Le problème du Mouloudia, d'abord, c'est leur troisième défaite consécutive. Et on a vu, on l'a dit, sur les 12 derniers matchs qu'ils ont joués, avec la GSK, ça faisait 13. Sur les 39 points possibles, ils n'en ont pris que 10. Donc il y a un malaise au Mouloudia. Ce n'est pas un schéma tactique qui peut régler tout ça.
Moi, je pense que le Mouloudia, et heureusement que ça arrive en fin de saison, et pas à la fin, par exemple, en début de saison, à 5-6 matchs du championnat. On s'est dit cette année, le Mouloudia est parti pour essayer de jouer les premiers rôles. D'ailleurs, comparativement à la JSK, d'ailleurs. On avait une JSK tâtonnante qui avait mis en bon, début de saison, alors que le Mouloudia rayonnait et gagnait des matchs avec brio. Ce n'était pas une question tactique. Comme par hasard, et puis hier on en a discuté avec Saïd, depuis le retrait du président du Mouloudia, il y a eu un malaise. Amal Brahmi. Oui, il y a eu un malaise. Bon, on n'est pas tenu dans les secrets de ce qui s'est passé, mais moi je dirais que le Mouloudia actuellement est en train de souffrir un peu de sa gestion. C'est pas logique qu'une équipe qui carbure... C'est pas l'entraîneur le problème du côté. L'entraîneur fait partie bien évidemment. Les joueurs sont responsables, le staff technique, le staff administratif, le conseil d'administration, tout le monde a une part de responsabilité parce que ce n'est pas normal qu'une équipe qui va bien, qui espère jouer les premiers rôles, se retrouve en la phase retour. Il y a une cassure nette, et là on est en train de voir, quand on a vu le Mouloudia Usma 1-0, on n'a pas reconnu le Mouloudia. Alors à Chulromley, ça a été une catastrophe. La première mi-temps hier de la JSK, c'est une mi-temps où la JSK s'est baladée. C'est vrai qu'il y a eu un sursaut en deuxième mi-temps, mais c'était un sursaut fébrile. On voyait quelques actions, mais on a l'impression que le Mouloudia est en train de vivre une situation... ils ne veulent plus, ou ils sont saturés, on n'arrive pas à déterminer. Vous disiez hier avant le match, en cas de défaite, le Mouloudia serait en crise désormais. Est-ce que vous... Bon, mais heureusement qu'il ne reste que deux matchs. Mais est-ce que le Mouloudia est en crise actuellement? Après ça, oui, moi je pense. Hein. Parce que bon, on peut perdre le derby, on peut le perdre. On peut perdre à Chaloma, il n'y a pas de problème. Mais perdre en étant combatif. Là, hier, la même chose. En première mi-temps, on avait l'impression que les joueurs étaient absolument amorphes. Il y a eu une petite réaction en deuxième mi-temps, mais c'était sporadique. Hein. On a vu quelques actions, d'ailleurs... Mais il y a eu ce tournant, ce pénalty. Le pénalty, oui, mais le pénalty, c'est un peu à l'image de l'équipe, du rendement de l'équipe. Un pénalty qui aurait pu changer la donne du jeu. Hein. Si le Mouloudia avait égalisé, le match aurait peut-être pris une autre tournure. Mais toujours est-il que la JSK mérite amplement ses 3 points. Et la JSK qui se rapproche hein, quasiment, on attendra de connaître le résultat de ce soir entre l'Entente de City et la JSK. En tout cas, la JSK qui met... Assise à deuxième, je pense qu'ils sont bien partis pour être deuxième. Qui met quasiment un pied en tout cas. Et comme a dit Farid, si jamais ils avaient fait les matchs à domicile, ils avaient gagné un peu plus de matchs, ils auraient pu damer le pion au CRB. Et pourtant, cette semaine, il y a eu un petit peu du grabuge hein, du côté de la JSK Billy avec cette histoire du non-paiement de certains salaires des joueurs, puisque la direction dit avoir versé 7 salaires cette saison, alors que les joueurs... Il y a eu 2 salaires qui ont été versés avant. Cette semaine, mais justement, ça a créé un petit peu des remous du côté du vestiaire des Canaries, notamment sur cette histoire, puisque les joueurs disent ne pas avoir été... Ça ne se répercute pas sur le rendement de l'équipe. Actuellement, en tout cas, sur le résultat. C'est la même chose l'année dernière. Les joueurs n'étaient pas payés, mais ils sont allés jusqu'en finale de Coupe de la CAF. Et ils ont emporté la Coupe de la Ligue. Bon, les joueurs, il y en a qui ont un peu de la conscience professionnelle. Mais quand même, la direction a changé, mais les problèmes persistent. Ça l'est. Au départ, personne ne pouvait miser sur la JSK pour la retrouver dans cette situation et être classée deuxième. Avec tout ce qui s'est passé. Voilà, avec tout ce qui s'est passé. Donc moi, je pense que c'est déjà une belle performance pour l'ensemble, que ce soit le staff, les joueurs... Et carton rouge, messieurs. Carton rouge pour le président de la JSK Billy, Yazid Yarishen, qui devait être avec nous aujourd'hui, qui devait déjà être avec nous la semaine passée, qui s'était excusé, on l'avait un petit peu compris. Aujourd'hui, il devait être avec nous aujourd'hui pour débattre de l'actualité de la JSK, mais encore une fois, il nous a fait faux bond. Donc, monsieur Yazid Yarishen, c'est pas comme ça qu'on dirige un grand club comme la JSK. Si on n'a pas envie de venir assister aux émission, qu'on le dise, qu'on nous le dit en tout cas haut et fort et ne pas répondre aux appels téléphoniques, ce n'est pas très professionnel tout cela, donc on finit avec la JSK et on passe désormais au Paradou qui recevait l'USM Alger et là encore l'USM Alger a frappé fort avec une nouvelle victoire, on va suivre ce résumé de Sid Ahmed Bouraïb et on revient.
Un match capital pour la course au podium. Les Usmistes en plein boom cherchent une quatrième victoire consécutive. La première occasion du match est à mettre à l'actif de Mziane avec ce tir, mais Medjedel capte le ballon. Gnaoui tente sa chance pour les locaux, mais rate le cadre. Les Usmistes se procurent plusieurs occasions nettes, mais tombent à chaque fois face à une défense très bien organisée. En deuxième période, les visiteurs poursuivent leur domination. Ben Hammouda se retrouve dans une position idéale, mais rate le cadre. Leurs efforts seront tout de même récompensés par l'ouverture du score signé Blade à la 54e minute de jeu. Voulant doubler la mise, les Usmistes enchaînent les attaques mais sans succès. Score final, 1-0. Je remercie les supporters pour leur soutien et leur encouragement tout au long du match. On a perdu beaucoup de points dernièrement et on essaie de nous rattraper. Deuxième mi-temps, surtout après le but, et vraiment, nous n'avons pas à faire les choses bien. Nous sommes pratiquement inoffensifs, sans capacité de réaction pour un côté. Il y a des joueurs qui paraissent qui étaient déjà, cette saison est déjà finie. Qui va arrêter l'USMA cette saison, en tout cas cette fin, durant cette fin de saison? L'USMA qui était quasiment, pratiquement, on parlait d'une fin de saison assez... 9 matchs sans victoire, après un brutal réveil. Et quel réveil, hein, 4e victoire de suite oui. Pour l'USMA. Et bien paradoxalement, c'est depuis le départ de l'entraîneur serbe, dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Et c'est son adjoint qui a été placé provisoirement, et bien cet adjoint est en train de faire du bon travail. Et justement, l'USMA qui enchaîne les victoires et qui est juste... Le plus impressionnant aussi, qui ne concède plus de but, hein, et notamment depuis que le gardien Alexis Guendouz donc a pris sa place, pas quasiment 4e ou 5e clean sheet de suite, et donc l'USMA qui se retrouve aujourd'hui à la 4e place et qui peut prétendre donc à une qualification avec la saison prochaine retard, hein. Avec un match retard face au CRB, donc à une qualification la saison prochaine pour une compétition africaine et notamment la Coupe de la CAF, justement Farid, un mot sur cette équipe de l'USMA. Oui, l'USMA là qui est l'équipe en forme de cette fin de saison, un réveil brutal et salutaire, au grand bonheur de ses supporters, puis ça coïncide avec le derby, qu'il ne faut jamais perdre, même si c'est un match amical contre les Mouloudia d'Alger, et là c'était un enchaînement, c'est pas facile de battre Paradou, même sans public, mais Paradou, c'est une équipe très joueuse et tout, c'est pas évident aussi de battre... Et grâce à cette victoire, l'USMA qui dépasse le Paradou au classement. Voilà, qui dépasse le Paradou, qui là, il va jouer pour la 3e ou la 4e place. Et le Paradou qui était pendant pratiquement toute la saison, la 2e, 3e place, là qui décroche au classement pour se retrouver 5e, et ça risque, on risque de voir le Paradou quasiment terminé dans le ventre mou du classement Abdelham. Oui, bien sûr, d'ailleurs c'est étonnant, c'est vrai que le Paradou à un moment donné également est passé par un passage à vide, mais ils sont vite repris. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de payer un peu puisqu'il y a le retour de Chalot? Je pense qu'ils sont en train de payer un peu tous les staffs qui sont passés. C'est le quatrième entraîneur cette année. Et Paradou ne nous a pas habitués à ce genre de situation. Si on parle du derby, très souvent on parle de l'importance du derby à Algerois, le big derby à Algerois entre l'USMA et le Mouloudia. On voit à travers les résultats qui s'en ont suivis, justement, l'USMA qui enchaîne après sa victoire donc lors du ça derby. Ça l'a boosté. Ça l'a boosté. Alors que du côté du Mouloudia, il y a eu un enchaînement là aussi de mauvais résultats et de défaites. Donc au final, ce derby-là... Ça peut être le fait du hasard uniquement. Hein. Vous pensez que c'est dû au fait Le Mouloudia... Entre le Mouloudia qui perd, le derby qui enchaîne les défaites et l'USMA qui gagne... Le derby aurait pu rebooster le Mouloudia. Mais le Mouloudia est malade depuis quelque temps. Il faut le reconnaître. On va passer à un autre match, donc celui qui est opposé. Là aussi, un match spectaculaire, ce match, ce derby de l'Est, hein, si on peut l'appeler ainsi, celui qui est opposé le CS Constantine, où Hillel Chelromelaid, résumé du match avec Smaïl Ben Gaïdia. Qui est un ancien arbitre
Et le coup d'envoi. Voilà, c'est parti pour 90 minutes de derby dans ce match. Et puis, et là, il revient. Attention, le corner sortant. Et le but. Oh, le but de l'Arsia à la troisième minute de jeu. Et quand même, de belles batailles, mais un très bon ballon. Et le coup de tête, il a été quand même assez oublié. L'Arsia au milieu de la défense. Cette balle déviée à une tête décroisée qui n'a donné aucune chance au gardien Lalaoui, qui marque à la troisième minute de jeu. Que Chevrolet, pour les matchs qui lui restent à jouer, eh bien, attention à ce ballon et l'égalisation. Oh, l'égalisation, une minute après, même pas le temps de festoyer. Tout à l'heure, mais le ballon a été dévié par Mebarakou, qui a joué avec le feu. Même le jugement du joueur, il a mal. Attention, Harare, le ballon qui passe à côté. Harare qui a fait un slap. Les joueurs du CSC, c'est passif, c'est des joueurs passifs. Regarde, il rentre, il tire. Et malheureusement. Il tire. Ah, mais c'est Haddad Fouad du pied droit, non. Khaldi, le but. Oh, le but annoncé. Signé, faxé, il était attendu. Et Khaldi. Et regardez, le ballon file tout droit avec un mur qui s'est étalé. Pour du CSC, par rapport au début de match. Ah, l'Arsia ! L'égalisation de Kokpou ! Kokpou à 2-2 ! Oh mon Dieu, quel match ! C'est le même scénario. Quel match ! Alors, ça fait deux buts partout. Après 28 minutes de jeu, sur ce mauvais renvoi. C'est le même scénario. Et le gardien qui touche et permet... Voilà, première mi-temps. Ce score, deux buts partout. Allez, c'est reparti pour la seconde période. On a eu 86 ans. On est pratiquement en poste avancé. Voilà, d'ailleurs, on reçoit le ballon dans les 18 mètres. Le tiré, le ballon qui passe à côté. C'était bien joué. Ah, c'est bien fait pour Ster qui est un peu. Allez, joignant le ballon, le centre. Et Aibout qui marque à la 82e minute de jeu. Et quelle action! Et il a demandé le changement, mais il n'y a plus de changement, je pense. Alors qu'il a repris l'extérieur du pied. Ça fait mal, ça fait mal. Oui. Oh, c'est la cheville. C'est la cheville, c'est la cheville. Et le CSC. Alors, que dit M. Bekwasa? Oh, c'est le louche. Oh non! À M. Bekwasa qui sort! Même si ses adversaires l'encouragent, en attaque, Haddad Fouad pour un coup franc. Ils vont jouer le 2 pour le 2. Et le but, l'égalisation. L'égalisation. Ah oui, la joie des supporters de Chevrolet. Tête très bien placée même. Un coup franc bien porté par Haddad, regarde. C'était parfait. C'est terminé sur le score de 3 buts partout. Quel match celui qui a opposé, donc je le disais, le CSC au Hilesh Lomrid, un match à rebondissement, et on a vu Asmaïd Nkaïdi a été tout heureux de commenter ce match-là. Oui, beaucoup de suspense en tout cas. Un match inespéré de Hilesh Lomrid, hein, le but égalisateur est venu dans les temps morts. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entraîneur de Hilesh Lomrid connaît très bien. Il y a un point qui vaut de l'or pour Hilesh Lomrid en vue du maintien. L'entraîneur de Hilesh Lomrid connaît très bien le CSC pour l'avoir entraîné en début de saison avant la venue de Madoui. Donc, c'est vrai qu'on est en train de voir, au départ, on s'est dit que Hilesh Lomrid était en train de faire son apprentissage au niveau de la division professionnelle. Ils ont eu un début de saison très difficile, et là, ils sont pratiquement à deux points du maintien. Le CSC qui est... Et pourtant, le CSC, après l'arrivée de Kherdine Madoui, avait remis à flot, en tout cas, cette équipe. Mais par la suite, on voit que depuis quelques journées, le CSC qui cale, notamment à domicile, à troisième ou quatrième match de suite à domicile sans victoire, et ça va plomber complètement sa saison. Oui, mais ce qui est étonnant, ce qui est surprenant, c'est que Badoui a eu droit à un contrat d'objectif. C'est-à-dire l'objectif, c'est de terminer parmi les trois premiers sur le podium, maximum quatrième pour jouer la Coupe de la CAF. Et là, après un bon début, là, c'est la dégringolade, on ne sait pas. Pourtant, il a un bon effectif. C'est des joueurs qui sont soutenus par une entreprise publique, donc qui n'ont pas de problème financier, de trésorerie, mais ça ne marche pas. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est étonnant. Quant à Hilesh Lomrid, moi, je rends hommage à l'entraîneur Hadjar qui a pris le pari de sauver cette équipe. Il avait essayé ça l'année dernière avec Skikda, après avoir été limogé de Medea. Ça n'a pas marché. Cette année, après avoir été limogé du CSC, justement,
il a gagné le pari de Slobane. Et bien là, c'est la revanche de Hadjar par rapport au CSI. Ils sont à un point du maintien. Ouais. Très, très bien. On passe à un autre match, justement. On parle du maintien et cette lutte pour éviter la relégation. Et il y a eu un match assez, en tout cas, à fort enjeu entre le MC Maga et le MC Oro. MC Oran, pardon. Et ce match nul qui a soldé cette partie 0 partout. On va voir les images donc, de cette rencontre. Contre, là aussi, le MCO, mine de rien, qui lutte pour sa survie en Ligue 1 et qui occupe la 13e place au classement, mais qui est sur une série de 11 matchs de suite sans défaite. Oui, là, c'est une performance hein, depuis pratiquement la venue de Abdelkader Amrani, malgré tous les problèmes qui existent au niveau du MCO. Elle ne gagne pas souvent cette équipe mais du mais MCO, ne mais ne perd pas, voilà. Donc ils sont à deux points également, ils ont un match retard d'abord et puis ils ne sont pas tellement loin du maintien. Par contre l'équipe pour moi la plus, qui est vraiment dans une situation très difficile, on va en parler tout à l'heure, c'est Médéa. Un mot sur ce match, Farid. Le MCO a redressé la barre depuis la venue d'Abdelkader Amrani, il faut lui rendre hommage. Mais il est très difficile de gagner sur le stade de Magala, surtout que Magala joue pour sa relégation, c'est pas encore assuré mathématiquement. Pour éviter la relégation. Mais là, c'était un point qui arrange les deux équipes. Maintenant, il reste au MCO de battre Saoura. Au moins un match nul, un match retard pour assurer définitivement son maintien. Le MCO devra l'emporter face à la Saoura mercredi prochain pour valider officiellement sa... 42 points, ils sont sauvés justement. Mais il leur reste 3 matchs par rapport aux autres équipes. Hein. Ils ont un match retard, donc ils ont pratiquement 9 points encore à grignoter. Je pense que c'est l'équipe qui est pratiquement à 3 points, comme vous l'avez dit. Ils sont pratiquement sauvés de la relégation. Et justement, en parlant de relégation, on va passer à un autre match. Là aussi, un match important hein, qui est opposé à Médéa, l'Olympique de Médéa. L'Olympique de Médéa, qu'on pensait un petit peu, qu'on croyait en tout cas, que cette équipe allait revenir au niveau de cette lutte pour le maintien. Il y a eu ce match nul hier, avant-hier, face à cette équipe de l'US Biskra qui a joué en tout cas, même si l'US Biskra est assuré de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Mais cette équipe de Biskra est allée décrocher le match nul. On va voir le sujet de Samy Hachichi, on en revient. Un match très important pour l'Olympique Médéa qui lutte pour le maintien parmi l'élite face à son adversaire du jour, l'US Biskra. Les locaux enchaînent les attaques, mais sans succès. Les visiteurs ont profité de la maladresse des Médéens et marquent le premier but dans ce match par un joli coup franc de Winness. Juste après, une occasion en or pour les Biskri qui finira hors du cadre par manque de précision face à une cage vide. Au début de la deuxième période, les Bleus n'ont pas baissé les bras jusqu'à ce qu'ils arrivent à obtenir un pénalty. Bali se charge de tirer et ouvre le score. Boras essaye avec ce tir de loin, mais la balle passe au-dessus de la barre transversale. Encore une fois avec Boras qui cherche des solutions pour marquer, mais toujours sans succès. Les locaux enchaînent les attaques jusqu'au dernier moment où Bali marque de la tête le deuxième but, mais l'arbitre signale un hors-jeu. Fin de ce match, un but partout. Et un résultat qui complique davantage et encore plus la tâche de l'Olympique de Médéa pour s'en maintenir. Il ne fallait pas se louper pour Médéa. Et avec ces deux points précieux perdus à domicile, ça va être compliqué. Oui, on s'attendait à la défaite de la précédente journée de Médéa à Saoura, parce que Saoura joue pour un enjeu, c'est-à-dire la deuxième place. Mais on s'attendait à ce que Médéa soit souveraine sur son terrain. C'était la seule voie pour espérer se maintenir. Là, avec ce nul face à Biskra, ses chances de maintien sont compromises. Quant à l'US Biskra, il faut rendre hommage aux dirigeants de Biskra qui ont maintenu le même entraîneur, à savoir Youssef Bouzidi, depuis le début de la saison. Bien que
l'US Biscra ait été à un certain moment leader du championnat, puis les résultats reculés, les dirigeants n'ont pas vu plus loin que leur nez. Ils ont vu plus loin que leur nez, justement. Ils se sont dit, voilà, nous avons le budget pour le maintien, il faut jouer le maintien. Ils ont gardé leur confiance et je pense que Biscra, par rapport à ses moyens, fait une saison plus complète. Rapidement sur ce match. C'est la meilleure saison qu'ils font depuis leur accession, ça c'est certain. Maintenant, Medea, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équipe qui est la plus menacée. Hein. C'est quasiment... Ça va être très très difficile pour Medea de s'en sortir. Il ne faut pas oublier que Medea est passé par 12 défaites consécutives, donc c'est énorme. Très très bien, on passe désormais à un match qui vient de se terminer. Hein, depuis 2-3 minutes exactement, le Wydad de Tlemcen a concédé, sans surprise, une nouvelle défaite à domicile cette fois-ci, face à l'équipe de l'AS Auchlev, victoire de Schlev qui reprend donc... Alors, même niveau que le MCA, avant le match qui va les opposer lors de la prochaine journée. Exactement. Donc l'AS Auchlev qui l'emporte 2-0 à Tlemcen, donc c'était prévisible et ça permet à cette équipe de Schlev de renouer avec les succès après trois matchs sans victoire. Voilà. Et Schlev qui reprend sa marche en avant. Le match contre le MCA sera très très important parce que en cas de victoire de l'une des deux équipes, cette équipe la victorieuse sera relancée pour la course à la troisième ou quatrième place. Et le Net qui recevait le RC Larba, et bonne nouvelle du côté de Larba qui valide son maintien en Liga après sa victoire au stade du 20 août face à cette équipe du CND. Donc le Net, on le disait déjà, le Net en vacances depuis pas mal de temps maintenant, notamment après sa relégation. Donc le RC Larba qui réalise l'essentiel en s'imposant face au Net. Abdelnour Larba qui valide son billet, en tout cas qui valide son maintien. C'était pas évident au départ, hein, Larba. Avec les problèmes. Énormément de licence, problèmes. Mais ils se sont ressaisis et puis ils ont fait la phase retour, ils ont réussi à empocher des trois points qui étaient inespérés pour eux, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Bon, aujourd'hui, ils ont joué, plutôt avant-hier, ils ont joué contre le NAD, une équipe qui est déjà en vacances, mais c'est déjà bien. Là, au moins, ils assurent leur maintien. Ça, c'est très important. Un mot sur ce match, Farid. Oui, bon, le RC là-bas. Les promus, en tout cas, les deux promus vont... Très probablement. Bon, l'herbe c'est fait. Pour Hilesh Romlaid, il lui manque un seul point pour valider. Donc les promus ont pu tirer leur. On peut dire qu'ils. Les marrons du feu cette saison. Voilà, exactement. Voilà. Alors qu'en général, il y a les promus font l'ascenseur, comme c'était le cas de Skikda qui est redescendu juste aussi après vite. Avoir monté. Mais cette année, on voit que l'herbe a. Et Chirom Laid, en plus ils ont le potentiel, quand on voit ils ont battu, ils pratiquent un très beau c'est jeu, ça, exact, ils ont le exact. Potentiel, c'est et juste au début de saison. L'avantage que ces équipes ont, c'est qu'ils ont leur propre infrastructure, le terrain est à leur disposition, ça c'est très important également. Le RC Elba a souffert les quatre premières journées parce que le club avait joué avec l'équipe réserve, faute de licence, parce que la Ligue avait bloqué les licences. Sinon, peut-être que l'Alba aurait joué pour une place en compétition africaine. Et il y aura un dernier match, donc je le disais, pour le compte de cette 32e journée, tout à l'heure à 20h, l'entente de Sétif reçoit l'équipe de la GS Saoura. Et à l'entente de Sétif, malgré la récente victoire à l'extérieur face à Wydad de Tlemcen, là aussi, c'est pas mal de problèmes hein, qui sévissent du côté de l'entente récitive. Selon nos informations, on nous dit que hier, donc, les joueurs de l'entente n'étaient pas en mise au vert en raison d'un problème financier, puisqu'ils n'avaient pas, peut-être, je pense, hein, en tout cas, l'argent nécessaire pour payer l'hôtel. Et c'est décevant que l'entente en arrive là, faire aller rapidement. Mais ce qui est désolant, c'est que la politique du club a changé cette année. La saison passée avec Nabil Kouki, c'était focus sur les jeunes. Là, entre-temps, des dirigeants ont recruté des joueurs au salaire important, ce qui a déséquilibré la trésorerie. Après, il y a eu un problème, une mésentente, divergence d'opinion entre Nabil Kouki et ces dirigeants-là. Nabil Kouki voulait continuer sur la politique des jeunes, c'est-à-dire miser sur les jeunes joueurs, alors que les dirigeants voulaient
que les stars, entre guillemets, soient incluses dans l'équipe. Cela a déséquilibré l'équipe. Maintenant, on en voit les conséquences. Quand on sait que le budget de fonctionnement de l'entente a augmenté de 118% cette saison, on comprend le déséquilibre financier. Oui, puis ils ont également un déficit de plus de 50 milliards. Donc c'est énorme. Mais c'est dommage pour l'entente. Hein. Bon, on s'est dit, cette année, bon, ils sont arrivés quand même en demi-finale de la Champions League. C'est déjà une performance. Mais effectivement, dans le championnat, ils ont d'énormes problèmes, c'est vrai que... Dixième au classement, hein, ils avaient tellement de matchs de retard, on se dit, tiens, si jamais ils arrivent à bien les négocier, ils pourront éventuellement jouer une autre Champions League la saison prochaine. Ça ne sera pas possible. Ouais. On passe à présent donc à la Ligue 2, après ce jingle. Et donc la Ligue 2, évidemment, vous le savez très bien, la Ligue 2, les matchs, là, le championnat, c'est bon, c'est terminé. On connaît désormais les deux promus, à savoir l'USM Khenchla et l'équipe du MC Al Bayad. Et justement, il y a eu hier, on va voir les images dans quelques instants, une cérémonie en l'honneur des deux promus, à savoir cette équipe de Khenchla et l'équipe d'Al Bayad, chargée par le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, a honoré hier à Alger les équipes de Khenchla et Mouloudiat Al-Bayad pour leur accession. Lors de cette cérémonie organisée au Centre international des conférences à Alger, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelazer Sebgek, M. Allahoum a remis un chèque de 30 millions de dinars et un bus pour chacune des deux équipes, histoire de les récompenser, messieurs, après leur parcours. Bah, c'est une très bonne initiative qui a été prise par le président de la République. Hein. Je crois que ça honore un peu non seulement l'accession, surtout que Khenchla ait déjà joué en Division 1, elle retrouve après 47 ans... 46 ans. Voilà, 46 ans la Division 1. Et c'est une première pour le Bayad. D'ailleurs, c'est un Mouloudia de plus qui sera en première division. Donc oui. Mouloudia de Rome, Mouloudia d'Alger, Mouloudia de Constantine, Mouloudia de Betna, Mouloudia de Saïda. Bougie et Béjaïa également. On attend qu'ils soient tous au niveau de la Division 1. C'est bien de récompenser en tout cas ces deux clubs, notamment grand chapeau aux dirigeants de ces deux clubs. Personne ne voyait Khenchla et Al Bayad accéder en Ligue 1 et avec un travail remarquable. On voyait plus Kouba et Port Jumlaïn que même pas Port Jumlaïn. On voyait, si on parle de budget, c'était pas évident. Et félicitations une nouvelle fois à ces deux clubs pour cette accession, en tout cas méritée en Ligue 1, et on va les voir la saison prochaine. En tout cas, les bus, ça fera du bien pour ces deux clubs, histoire, ça va leur permettre en tout cas de se déplacer un peu partout dans le pays et avoir le standing des grands clubs, en tout cas. J'espère qu'ils ne feront pas comme un certain club dont je ne citerai pas le nom, qui avait bénéficié d'un bus à un certain moment, il y a quelques années, mais dont ce bus avait disparu et l'argent avait disparu. J'espère qu'il y aura bonne utilisation à bon escient de ces récompenses. En tout cas, avant de terminer avec cette émission, moi j'ai une question d'un téléspectateur qui nous suit, Omar Lekel en l'occurrence, qui pose une question à notre ami Abdelnour Kawa. Il demande où est la casquette fétiche de Abdelnour Kawa. Et aussi le maillot jaune. Ah oui, mais la casquette fétiche, c'est pas une casquette fétiche, hein, c'est une casquette qui s'est retrouvée dans mes buts. Enfin, je l'avais pris, je l'avais jeté dans les buts, ça se passait au Caire, bien évidemment. Et c'est une casquette qui m'a été volée par un supporter du Al Hilal du Caire parce qu'il pensait qu'il y avait des grillés à l'intérieur. Bon, on a réussi à se qualifier, ça reste un très bon souvenir. Quant au maillot jaune, je l'ai toujours à la maison, avec de la naphtaline, j'essaye de bien, de bien le garder, absolument. Très très bien. Vous vous rappelez de Kawa lorsqu'il était... J'étais enfant, mais je me rappelais de lui, gardien du but. Ça, qu'un bon gardien. Oh oui, oui. Il a été aussi joueur de champ, il a marqué un but important dans un derby contre l'USMA. En finale. Joueur de champ. Ah ouais. Joueur de champ. Ah ouais. Il a été, c'était un remplacement en urgence parce que le gardien, le joueur de champ était blessé. Il est rentré
Lui, on le était, gardien on but, était il 1, a 1, joué, il a marqué. On était 1-1, j'ai marqué le deuxième but contre lui. Vous auriez pu être un numéro 10 au final. Un numéro 11 plutôt. Pas c'était 11. Gaucher. C'était un gaucher. Ah, bah, très très bien. Avant de finir cette émission, juste pour parler, toujours, on va rester avec les Ligas, il nous reste 2-3 minutes. Abdennour, on le disait, est-ce que pour ce qui est de la relégation, on peut dire que c'est quasiment fait pour Medea, il lui a 4 points. C'est pas quasiment fait, c'est-à-dire, si on doit faire des calculs, évidemment, si jamais ils arrivent à gagner les deux matchs, ils seront peut-être en ballottage avec d'autres clubs, mais ça me paraît très difficile. Ça va se jouer entre Medea et Magra. Medea et Magra. Ouais. Ouais. Très très bien. Donc on arrive au terme de cette émission, évidemment. On dit à l'oreillette, attention, ça va être à vous, et on est en direct. Merci Youssef. Donc je le disais, il y a cette semaine 3 matchs en retard qui vont se disputer. Le CRB Louis Zed en 4 victoires deviendrait donc champion d'Algérie pour la 3e fois de suite. Ça reste historique. Premier club qui remporterait le championnat 3 fois de suite. Mmh. Même le grand CRB de l'époque, même le grand Mouloudi, même la grande GSK n'avait pas fait ça. Très très bien. Et le CS est donc... ils pourront se racheter face à cette équipe de l'entente de Sisyphe. Ce sera à Constantine face à l'entente. Et je le disais, le MCO qui va recevoir la jeunesse sportive de la Savoie. Là aussi, un match très très important pour les deux équipes et notamment pour le MCO, puisqu'en cas de victoire, le MCO validera enfin son maintien en Ligue 1. Ça serait une performance. Ça serait une performance avec tout ce qui s'est passé. Même si le MCO n'a jamais été relégable cette saison, mais en tout cas... Pas après tous les problèmes vécus. Avec tous les problèmes internes. On arrive donc au terme de cette émission. Évidemment, aujourd'hui, je profite de l'occasion pour souhaiter et dire c'est la fête des mères aujourd'hui. Donc, bonne fête des mères à toutes les mères algériennes et particulièrement à ma mère. Donc, je l'embrasse très, très fort, mais aussi à notre réalisatrice Amel Benbadou, justement, qui est derrière, qui est dans la régie. Donc, félicitations, plutôt joyeuses fêtes, Amel. J'aurais aimé, moi, qu'elle nous ramène des gâteaux, n'est-ce pas, Abdennour? C'est nous qui aurions dû lui ramener des gâteaux. On en a mangé, en tout cas. Je me joins à vous également pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Très, très bien. Donc, merci à toute l'équipe technique, évidemment, aux réalisatrices. Donc je le disais à Malben Matouche, au script, donc Youssef Issaïd, à toute l'équipe technique qui a œuvré pour la réalisation de ce 32e numéro de la saison. On approche à grands pas des vacances. Oui. Pas des vacances au final, puisqu'il y a les Jeux méditerranéens. Le sport restera bien présent du côté de la télévision algérienne. Il reste encore 2 matchs, plus quelques matchs retard. Et les JM, les Jeux méditerranéens, notamment jusqu'au 6 juillet prochain. Merci en tout cas, Farid Etsaada, d'être venu. C'est un plaisir. À très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci à vous, Saïd, et puis Farid, à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Restez donc branchés sur Canal Algérie. On vous dit donc à très très bientôt et à dimanche prochain pour un nouveau numéro donc de C'est l'heure du foot. Merci.